vivait dans un luxe inouï. Le chien qui s'appelait Puccini, mais son maître disparu. Puccini est perdu et comblé de chagrin, voulut s'enfuir au loin. La fourrière l'attrapa et quelqu'un l'adopta. Il a une nouvelle famille, pas bien riche mais si gentille. Heureux enfin pour lui, tout va très bien, Puccini. C'est officiel. Le cyclone qui s'approche de nos côtes sera sans nul doute le plus redoutable, le plus puissant et le plus meurtrier du siècle. Oh, si c'est vrai, ça va chauffer. La garde nationale est en route. Tous les habitants de la région doivent être évacués avant ce soir. Évacués? Il n'en est pas question. Je n'ai jamais pris la fuite devant rien ni personne. Mais nous n'avons pas le choix. Le plan d'évacuation du gouvernement fait force de loi. C'est ça. Pour que des voleurs puissent pénétrer dans la maison et tout nous voler. Le but est de nous protéger. La sécurité de notre cellule familiale ne passe-t-elle pas avant la protection de 5 chaises? Oh, je t'en prie, hein? Walter, je... Fin de la discussion, Wendy. Nous allons boucler les issues et survivre à l'ouragan. Et tape, tape, tape. Nous sommes là pour vous mettre à l'abri. Quittez votre domicile immédiatement. Quel cirque. Bon, ben voilà. Plus qu'à attendre à l'abri que l'ouragan soit passé. Qu'est-ce qu'il y a? Je te félicite, Walter. Tu as réussi à nous mettre à la porte de chez nous. Brillantissime, Einstein. Chérie, tu sais bien que j'ai toujours un plan de repli. Et ouh, lâche-moi, lâche-moi. Walter, attention. Vous allez faire exactement ce que je vous dis. L'endroit le plus sûr en pareil cas de figure est ce qu'on appelle l'œil du cyclone. Nous allons rentrer dans ce tourbillon. Certainement pas. Je t'ai obéi jusqu'ici, mais là tu m'en demandes beaucoup trop. Nous restons ici. Comme tu veux, Wendy. Alors c'est chacun pour soi. On est quand même mieux chez soi. On va pouvoir se réchauffer. Vous croyez que papa a une chance de s'en sortir vivant? Ah, je sais pas. Puccini, tu veux bien aller voir dehors si tu aperçois Walter? Tu pourrais peut-être même essayer de nous le ramener. Il n'en est pas question. S'il te plaît! Bon, entendu. Puccini, je suis content que tu sois revenu à la raison. Reste avec moi, mon gars. Je vais t'amener dans l'œil du cyclone. Ta-da!
Dépêche-toi, Puccini! Plus vite, plus vite! Le caoutchouc est une matière extrêmement isolante. Nous serons à l'abri dans ce... Le hasard fait souvent bien les choses. Viens, nous allons monter à bord de cette voiture. Hop là! Encore une chance que je sois un marin expérimenté. Droit devant, Puccini. Regarde la maison de Garvey. Tu es prêt? Paré à abandonner le navire, matelot? Paré, capitaine. Wouhou! Je ne sais pas ce que t'en penses, mais ce serait quand même dommage de laisser toutes ces bonnes choses se perdre. Confidence pour confidence, c'est pas moi qui irai te contredire. Entre nous, tu avoueras, c'est quand même plus sympathique qu'une évacuation forcée. Ah, y a pas de doute, je reconnais que tu... Walter White? Non, vous faites erreur. Je m'appelle Gilles Garvey. À propos, hein, vous n'auriez pas vu mon David, hein, j'ai l'impression qu'il a disparu. Nous vous arrêtons! Pour saccage, violation de domicile, substitution d'identité, allons-y! Vous n'avez pas le droit! Lâchez-moi! C'est un abus d'autorité! Allez, allez, on va être raisonnable, hein?